Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Ce soir, nous serons accompagnés de Cédric. Bonsoir Cédric. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir confirmation avant que nous démarrions en expliquant un petit peu ce dont on va parler ce soir, s'assurer que tout le monde voit bien la présentation à l'écran et puis s'assurer également que tout le monde nous entend correctement? Parfait, on me dit que c'est bon. Eh bien, écoutez, impeccable, c'est parfait. Alors, ce soir, on va avoir le plaisir avec Cédric de parler des figures de retournement. Alors, je tenais à vous signaler que c'est un thème qui nous a été demandé. Donc, vous voyez, si jamais vous avez d'autres thèmes qui vous viennent en tête, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, qui ne sont pas déjà traités, eh bien, n'hésitez pas à nous les envoyer, hein, que ce soit sur le Twitter de Cédric ou même sur mon mail, maeva.chazal@ig.com. Et puis, vous voyez, comme ça, on se base vraiment sur vos envies. Pour mettre en place des webinaires. Donc ça, c'est une idée qui nous a été suggérée pendant le webinaire sur les vagues de Raggy Horner. C'était vraiment de comprendre les figures de retournement. Alors bien sûr, pas forcément toutes, mais les figures majeures, de bien comprendre comment les identifier et après comment les interpréter pour vraiment entrer en action sur les marchés. Et donc Cédric, eh bien, viendra nous expliquer tout cela. Alors, bien sûr, un petit avertissement, hein, je vous rappelle que cette présentation, bien sûr, est faite à titre indicatif. C'est absolument pas à considérer comme un conseil ou une recommandation. Avec Cédric, on va être amené à prendre de nombreux exemples. Ils seront simplement là pour illustrer notre propos, hein. Il s'agit absolument pas de conseils ou encore de recommandations. Ensuite, par rapport à la présentation, IG se dégage de toute responsabilité concernant l'utilisation qui est faite de cette présentation et les conséquences qui en résultent. Un petit mot rapide pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas trop encore. Donc, IG, c'est un gros groupe coté à la Bourse de Londres, FTSE 250, qui est tout simplement l'indice élargi du FTSE. On a plus de 239 000 clients à travers le monde qui sont répartis dans une vingtaine de bureaux. Donc, par exemple, en Allemagne, à Singapour, au Japon. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne, présent à l'international depuis déjà 45 ans. Et à Paris depuis 13 ans. Alors, l'ordre un petit peu des différents points qu'on va voir ce soir. On va voir ce qu'est une figure de retournement. Cédric va nous expliquer un petit peu comment les définir. Ensuite, on va s'intéresser aux figures qui sont les plus efficaces pour bien les identifier et puis pouvoir après les mettre en application, leur interprétation, comment est-ce qu'on s'en sert. Et puis, vous verrez bien sûr l'utilisation sur ProRealTime. Alors, j'ai mis l'utilisation sur ProRealTime en troisième point, mais régulièrement, hein, Cédric, justement, ira sur les graphiques pour vous montrer un petit peu sur différents marchés où est-ce qu'on peut identifier quelques figures. Est-ce que, alors, tout au long de la présentation, surtout, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre questions. On est là pour ça. Dites-vous que si vous vous posez une question, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc vraiment, n'hésitez pas à les poser. Eh bien, écoute, je te laisse la parole, Cédric, et puis on va commencer un petit peu sur la définition des figures de retournement. Merci Maëva. Donc, les figures de retournement, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des configurations de prix qui indiquent que la tendance en cours va changer. Donc, il y a des principes communs. Après, on verra les principales. Et le premier principe, et vous allez voir qu'il est important, même si ça paraît un petit peu de la palisse, c'est l'existence d'une tendance antérieure. Pourquoi je dis que ça c'est important et que ça paraît tellement évident? Parce que vous verrez beaucoup de commentaires dans l'analyse qui voient des figures pour interpeller, et en fait ces figures ne sont pas valables, ne sont pas valides, parce qu'elles ne sont pas justement à la fin d'une tendance. Donc il faut qu'elles soient vers le haut d'une tendance haussière, soit vers le bas d'une tendance baissière. Et la cassure d'une ligne existante, ce qu'on va voir, qu'on appelle souvent la ligne de coup, va déclencher cette figure de retournement et va donner un signal, donc contrarien, un signal que la tendance est terminée et que les cours se retournent, soit à la hausse, soit à la baisse. Deux petits points.
plutôt qui les caractérise. Plus la figure est large, plus le mouvement ultérieur est ample, donc plus il va durer et plus il va avoir d'ampleur, hein, de grandeur en fait. Et puis, les figures en sommet sont généralement plus courtes et plus volatiles que celles en creux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celles en creux vont être plus longues à se dessiner. Voilà. Voilà pour les principes communs. Mais ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite aux figures pour que vous voyez concrètement ce que ça nous donne. Alors, la figure la plus connue et la plus fiable, c'est la figure en tête-épaule. C'est celle qui, sans doute, vous avez déjà entendu parler. Alors, il y a un petit peu une compétition souvent sur les réseaux sociaux pour trouver une figure en tête-épaule parce que ça, c'est entre guillemets, la récompense de l'analyste de déterminer avant tout le monde ce qu'est lorsqu'une figure en tête-épaule se dessine. Alors, attention, parce que la figure en tête-épaule, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont assez rares. Et ne croyez pas que vous allez trouver une figure en tête-épaule exactement comme sur le schéma que je vous ai mis là. Là, c'est de la théorie. Souvent, il va falloir interpréter et adapter jusqu'à un certain point. Et c'est tout là la difficulté pour voir si en pratique, il s'agit bien d'une figure en tête-épaule ou pas. Alors, on va commencer par la théorie, puisque tant sans théorie, vous ne pourrez pas passer à la pratique. La tête-épaule, vous avez une tendance, vous voyez, qui est haussière. On est bien sur le schéma, sur une composition, une configuration qui est en haut d'une tendance. Vous avez d'abord un premier sommet qui se forme, qui s'appelle l'épaule. Un pullback. Puis un deuxième sommet qui est plus haut et qui confirme que la tendance est toujours haussière, qui est la tête. Jusqu'à là, nous sommes dans une tendance haussière. Il est impossible de déterminer si une figure en tête-épaule va se dessiner. Mais vous avez un retour, un creux après la tête qui est plus bas que l'épaule de gauche. Puis, ensuite, un rebond, et là vous avez une deuxième épaule droite dont le sommet est inférieur à la tête. Donc les deux creux de la figure fi forment la ligne de cou, les deux épaules sont en dessous de la tête, et vous avez ensuite un retour sur la ligne de cou, et là les cours cassent cette ligne de cou. Attention, la figure en tête-épaule est valable uniquement si et seulement si les cours cassent la ligne de cou. Tant que vous n'avez pas cassé cette ligne de cou, il s'agit d'une droite de support et la tendance reste haussière. J'insiste là-dessus parce que c'est très 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 important. Et c'est là où la plupart des erreurs sont faites sur les réseaux sociaux ou sur certains pseudo-analystes qui vont essayer de déterminer une figure en tête-épaule alors que cette ligne de cou à la baisse n'a pas été cassée. Ça n'est pas une figure en tête-épaule tant que la ligne de cou n'est pas cassée. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les cours baissent suite à la cassure, puis remontent, ce qu'on appelle le pullback, sur la ligne de cou. Et elles vont, une fois touchées cette ligne de cou, repartir à la baisse. Le pullback confirme cette ligne de cou. L'objectif se calcule comment? Vous prenez le sommet de la tête jusqu'à la ligne de cou et vous reportez à partir du moment de la cassure et vous avez donc l'objectif théorique de la figure en tête-épaule. Cette Alors, j'ai une figure, question oui. justement, Cédric, par rapport à ça. C'est est-ce qu'il y a forcément
un pullback sur une épaule tête-épaule? Ou est-ce qu'on peut Alors, envisager qu'il y ait une cassure et que directement, on se dirige vraiment très franchement à la baisse avec justement l'objectif qu'on s'est fixé par rapport à la distance entre la ligne de cou et la tête? c'est très bien parce que vous avez juste anticipé de quelques secondes ce que j'allais vous dire. Non, ça c'est la théorie. Comme je vous le disais en préambule, vous avez la théorie et ne croyez pas retrouver exactement cette configuration-là, ce schéma-là dans la pratique. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare qu'on ait ce genre de configuration parfaite, en fait. Ça, c'est la perfection. C'est ce que vous allez constater sur en pratique, sur vos graphiques, ça doit ressembler le plus possible à ce schéma-là. Et donc, effectivement, le pullback, il n'est pas forcé. Donc, tout l'enjeu est de savoir si vous entrez en position lors de la première cassure ou si vous êtes plus conservateur, si vous voulez prendre moins de risques, surtout, vous attendez le pullback au risque de passer à côté. Là, on est sur figure en tête-épaule, selon Bukowski, qui est un chercheur américain, elle est fiable à 95%. Mais qu'est-ce que ça veut dire fiable à 95%? C'est fiable à 95% lorsque c'est proche de cette configuration-là, de ce schéma théorique. Or, dans la pratique, c'est très rarement le cas. Donc, voilà ce qu'est la figure en tête-épaule. Je vais compléter pour les actions. Là, c'est une figure que vous pouvez retrouver sur tous les actifs. Toutes les figures que nous allons voir aujourd'hui sont valables pour tous les actifs. Il y a une particularité sur les actions, c'est que cette figure doit être complétée par les volumes. Alors, pourquoi sur les actions et pas sur le reste? C'est que c'est tout simple, c'est que sur le reste, matières premières ou devises, vous n'avez pas les volumes. Le marché est tellement vaste que ce ne sont pas des marchés qui sont réglementés, donc vous n'avez pas cette information-là. Sur les actions, vous avez les volumes. Et les volumes lors de la cassure doivent être, supérieurs au volume que vous constatez lorsque le sommet, la tête, se forme. Voilà, donc c'est une application supplémentaire, j'ai envie, une confirmation supplémentaire pour valider la figure en tête-épaule sur les actions que vous ne pouvez pas trouver par définition sur les autres actifs. D'accord. Et alors, justement, par rapport à ces validations, j'ai quelques questions sur l'unité de temps ou la temporalité. On est d'accord qu'on peut avoir des figures d'épaule et tête-épaule qui vont se dessiner sur un graphique mensuel comme sur un graphique en 5 minutes. On peut le retrouver sur différentes unités de temps. Tout à fait, c'est exactement ça. La seule différence, c'est que l'objectif, vous le calculez de la même manière. Donc, certainement que sur 5 minutes, vous allez avoir des objectifs moins loin que si vous êtes sur de l'hebdomadaire. Voilà. Mais la figure, elle est exactement la même et elle est tout à fait valable, quelle que soit l'unité de temps. Parfait. Et du coup, on peut les identifier aussi sur tout type d'actifs. C'est l'avantage. Tout type d'actifs. Seule particularité, donc, les actions doivent avoir les volumes qui correspondent à ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire des volumes supérieurs lors de la cassure de la ligne de cou que lorsque la tête se forme. Parfait. Eh bien, écoute, impeccable. On est bon pour les questions. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette figure ou est-ce qu'on passe à la suivante? Non, on va voir la suivante qui est la même dans l'autre sens, qui est la figure en tête-épaule inversé. Donc là, la figure en tête-épaule qu'on a vue était sur une tendance haussière. Celle qu'on voit là sur l'euro-dollar est une tête-épaule inversée, c'est-à-dire sur une tendance baissière. Ça veut dire que la tendance est baissière et que la tête-épaule va valider la hausse. Alors là, j'ai fait exprès de vous montrer pour que vous voyez la difficulté en pratique. Là, c'est un exemple réel, alors qu'avant, c'était l'exemple théorique. Vous voyez que là, déjà, il y a quelques adaptations. Vous êtes obligé un petit peu d'adapter. Et encore, celle-là,
et je croyez-moi, elle est quasi parfaite. Donc là, vous avez une première épaule à gauche. On est sur l'euro-dollar, sur un graphique quotidien. Puis les cours vont remonter un petit peu, continuer à baisser pour former la tête. Une remontée, puis une petite descente pour former l'épaule droite. Et là, vous voyez que la ligne de cou, elle est inclinée. Alors, c'est tout à fait, comment dire, valide parce que la ligne de cou est inclinée dans le sens de la tendance. C'est-à-dire que si vous aviez eu une ligne de cou qui était orientée vers la hausse, elle n'aurait pas été valable, votre figure en tête-épaule inversée. Donc là, vous avez une cassure de cette ligne de cou qui est un petit peu, vous voyez, en biais, hein, mais vous trouverez rarement ce que je vous disais, j'insiste, hein, le schéma tout à l'heure où la ligne de cou est parfaitement droite. Ça, c'est le rêve, mais en réalité, ça existe, vous allez le trouver très rarement. Donc, vous avez une cassure à la hausse, vous avez bien un pullback, vous voyez, même qui se fait en plusieurs temps, hein, en deux, voire même trois temps presque, et puis les cours repartent à la hausse et vont quasiment arriver à l'objectif. Donc l'objectif qui est calculé là, à l'inverse de tout à l'heure, de bas en haut, de la tête vers la ligne de cou, reportée lors de la cassure. Et là, on est à quelques tics près, on arrive à l'objectif. Donc voilà. Parfait. Donc, s'il y a des questions. Alors, si justement, tout à Ouais. l'heure, je pense que c'était par rapport à ton observation sur les volumes sur les actions. Ouais. Une personne nous demandait, qu'est-ce que tu conseilles comme indicateur pour bien observer les volumes? Qu'est-ce qui Ah pour ben, toi est le plus parlant? non, vous mettez volume et puis vous allez avoir un histogramme en bas de votre graphique qui va vous donner les volumes des actions. Alors, attention, hein. Parce que ce que je vous dis sur les volumes, c'est très vrai sur les grosses valeurs. C'est-à-dire que si vous prenez le SBF 250 et 250 plus grosses valeurs françaises, vous allez retrouver des volumes conséquents. Mais si vous êtes sur des petites valeurs, ça va être plus compliqué parce que forcément, il y a moins de volume et donc l'analyse, elle va être sur les volumes, elle va être peut-être un peu plus pauvre. Voilà. Mais vous pouvez les regarder et vous devez normalement, en théorie, les regarder sur les actions. Parfait, impeccable. Eh bien, écoute, c'est tout. C'était la seule question qu'on avait. Alors, c'est peut-être la figure la plus complexe à déterminer, hein. Enfin, il y en a d'autres, mais celle-là, elle est quand même pas simple, vous voyez, hein, avec ce deuxième graphique, bon, les lignes de cou sont là, elle est inclinée. Bon, là, vous avez deux épaules qui sont à peu près de la même taille, mais des fois, vous avez, c'est pas facile. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple en réel, puisqu'il y en a une. Et qui prête à discussion justement en cours. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc, on va passer à la prochaine figure. Parfait. Là voilà, le double sommet. Alors, le double sommet, c'est beaucoup plus facile à identifier parce que vous avez un premier sommet. Un retour des cours et puis une remontée qui revient quasiment. Alors là, on est aussi sur une figure quasi parfaite. Hein, on est sur l'OSI, le dollar australien contre le dollar américain, qui revient sur un deuxième sommet et puis qui repart à la baisse. Et là, j'insiste encore. Attention, cette figure ne se déclenche, elle est considérée comme un retournement uniquement lorsque les cours cassent là c'est en anglais, la ligne de cou, la neckline, et pas avant. Tant que vous n'avez pas eu de clôture sous cette ligne de cou, cette figure n'est pas valable. Donc c'est la bougie rouge que vous voyez quasiment en juillet, longue, qui valide la ligne de cou. En plus, vous avez presque une double confirmation parce qu'en plus, cette bougie rouge, vous avez une clôture au plus bas de la séance, donc ça renforce encore
la figure. Alors là aussi, en théorie, on devrait avoir, pour répondre à la question de tout à l'heure, hein, vous devez avoir un pullback. Dans ce cas-là, vous voyez que le pullback, il ne s'est pas réalisé. Et comment vous déterminez l'objectif? C'est très simple. Vous prenez la différence entre la ligne de coup et le sommet, et vous la reportez à la baisse. Un petit peu comme tout à l'heure avec la tête-épaule. Ouais, c'est le même principe de distance Même à chaque principe. fois. Voilà, tout à fait. Exactement. Alors, on a une question. Alors, je ne suis pas sûre de la comprendre. Tu vas peut-être la comprendre, Cédric. Il y a plusieurs vagues qui forment l'épaule. Pas gênant? Ah, d'accord. Donc, je pense que c'était dans le cadre de l'épaule tête-épaule. Oui, Si, en fait, c'était la tout à vague… l'heure. Alors, je regarde Alors, juste ton c'est dessin, gênant. hein. Alors, oui, tout à fait. Voilà. Alors, oui, c'est une bonne question. Et c'est effectivement c'est exactement là où la C'est vrai que difficulté, là, il on le faut voit un qu'il peu, hein. Là, il y a un peu plusieurs vagues quand même dans la tête. Alors là, c'est pour la tête, mais pour l'épaule de droite, oui, on voit qu'il y a effectivement plusieurs épaules. Alors, Ouais. si je suis un théoricien, je vous dis non, c'est pas bien, c'est pas très bien. Mais comme je vous l'ai dit en préambule, en introduction, vous ne trouverez pas Ouais, la figure de parfaite. tête-épaule double sommet exactement parfaite, quoi. Ça, il y aura toujours un petit peu de jeu, en fait. Et tout est de savoir si est-ce que ces vagues, par exemple, puisque c'est la question, est-ce que cette petite vague avant, elle est gênante ou pas, ou est-ce qu'elle invalide la figure? Là, pour moi, elle ne l'invalide pas parce que elle est quand même plus petite et puis elle est assez courte. Voilà. Si elle avait été très longue, ça aurait été gênant. Voilà. Et on verra tout à l'heure sur l'exemple que celle que je vais vous montrer prête à discussion et c'est toute la difficulté de trouver la figure qui est la plus proche de la théorie. Parfait. Ouais, donc théoriquement, il faudrait qu'elle se rapproche le plus du dessin parfait, mais dans les faits, c'est très rare d'en trouver sur les graphiques, quoi. Voilà. En fait, oui. En fait, ce webinaire, ce que nous avons voulu, c'est vous montrer vraiment des choses pratiques, hein, parce que je peux vous faire la théorie avec les schémas que je vous ai montrés au début, hein, de ce que serait la perfection. Mais après, vous allez me dire, vous allez dire, ils sont bien gentils, mais en fait, j'en vois nulle part. Il y en Ouais. a nulle part. Donc oui, parce qu'effectivement, la volatilité des cours fait que perfection, c'est rare. Quand ça arrive, c'est très bien, c'est super, ça arrive. Hein, attention, je dis pas que ça n'arrive pas, mais souvent, c'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des exemples théoriques et des exemples pratiques. Parfait. Eh Alors, bien, écoute. on a vu le double sommet, on va voir Je passe à la suivante. l'inverse du double sommet. Donc là, vous voyez, je vous ai mis le double creux qui est là le schéma théorique. Vous voyez que ça n'a rien à voir, que là, ça paraît très simple. Mais vous voyez avec la slide de juste avant que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc le double creux, vous avez donc une tendance baissière, hein, c'est une figure de retournement, donc vous êtes dans une tendance baissière et le double creux va vous signaler que la tendance baissière est terminée et qu'on va partir à la hausse. Donc là, vous avez un premier creux qui est sur la ligne du bas, verte, la ligne horizontale, un rebond, puis un deuxième creux sur la ligne verte. Vous avez un premier signal que les choses commencent à changer, que les acheteurs reprennent un petit peu du poil de la bête et le contrôle de la situation avec la cassure de l'oblique baissière. Et puis, vous avez la confirmation lors de la cassure à la hausse de la ligne de coup. Et c'est là et uniquement là que vous pouvez calculer votre objectif et que la figure est valide. Donc, vous reportez comme tout à l'heure On va reporter cette distance-là. exactement cette distance-là pour trouver l'objectif. Vous voyez que dans cet exemple théorique, encore une fois, lors Il y de a eu la le petit cassure, pullback vous avez là. eu un pullback, voilà, et que c'est reparti à la hausse. Voilà. Alors, 70%, c'est la fiabilité de cette figure qui a été trouvée, donc calculée par Bukowski. Et
Sur le double sommet, la fiabilité est de 83%. Donc, elle est un peu plus forte lorsque vous avez un double top, un double sommet, que lorsque vous avez un double bottom, un double creux. Mais ça reste quand même des pourcentages très élevés quand même, hein, sur des figures techniques. Alors, on Mais, a deux questions. oui. Une question, on revient sur l'épaule-tête-épaule. Quelle est la Ouais. fréquence d'apparition des épaules-tête-épaules? J'ai envie Ah. de dire, c'est un peu, on peut pas trop le prédire, quoi. C'est vraiment très aléatoire. Ouais, c'est complètement aléatoire. Complètement aléatoire et toute la difficulté, c'est vraiment de la trouver cette tête épaule. Voilà. Donc plus elle va être proche de la théorie, plus elle va être fiable. Mais moins, beaucoup, vous en aurez beaucoup moins. Vous en avez vraiment très peu, hein. C'est pas quelque chose que vous voyez souvent, les têtes épaules. Parfait. Alors, autre question, avant une question plus pratique, est-ce qu'un sommet, double creux, peut mettre plusieurs années à se former? Ah, je me dis, si on est sur un graphique mensuel ou annuel, pourquoi pas finalement? Exactement. Si vous êtes sur un graphique mensuel, oui. Si vous êtes sur du quotidien, non. C'est pas possible. Mais si vous êtes sur du mensuel, j'ai pas pensé à regarder pour les exemples tout à l'heure si on avait des exemples. Je crois qu'il y en a un. Je regarderai après sur le CAC. Je me demande si on n'a pas eu ça en mensuel. C'est pas sûr du tout. Je suis en train de regarder en même temps. Non, on n'a pas. Si, on a eu un. Non, 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 on l'a pas eu. Non, non, on n'a pas eu ça. Non, oui, mais oui, en théorie, oui, ça pourrait, ça peut arriver, bien Ça sûr. pourrait être le Oui, ça cas, peut quoi. arriver. Ça peut arriver. D'accord. Alors, autre question. Est-ce qu'on a des causes de retournement de situation? Enfin, un exemple. Alors, retournement de situation. Qu'est-ce que vous voulez dire par retournement de situation? C'est quand finalement la figure ne va pas jusqu'à la fin de sa construction ou de connaître les causes qui amènent justement au moment de la traversée de la ligne de coup. C'est-à-dire un petit peu ce qui sert d'accélérateur, de catalyseur, parce que je pense que la question est pas. Ah, d'accord, oui, donc c'est ça, Cédric, c'est ce qui nous sert de catalyseur. Généralement, qu'est-ce qui sert de catalyseur pour venir sortir de ces situations? J'ai envie de dire, parfois, ça peut être juste graphique, il n'y a pas forcément d'éléments en supplément. Alors, non, effectivement, le juste, c'est que vous avez une accumulation de stop en principe, et donc souvent quand vous voyez la cassure de, c'est pour ça qu'il y a le pullback d'ailleurs derrière. Lorsque vous voyez la cassure de la ligne de coup, il y a souvent une accélération assez forte parce que les stops se déclenchent, et ensuite vous avez des petites prises de profit. Pour tous les malins qui ont anticipé ou qui ont joué cette cassure de ligne de coup, et donc vous avez ce pullback après derrière, et ensuite ça repart. Donc l'accélération, elle vient souvent du déclenchement de stop loss qui se situe sur les derniers creux de marché ou de sommet de marché, en fait. Voilà. Parfait. Alors, et là, après, on me demande un exemple vraiment en pratique. C'est une petite interrogation. Un monsieur a vu apparemment un Ah double merde. sommet en 15 minutes sur le dos et voudrait Ah ben vérifier écoutez, avec toi si toi alors aussi là, tu l'identifies bien. n'hésitez pas, je serais ravi. On va les regarder après les exemples parce que je vous avoue que Bon, bah alors je la garde celle-là et puis je on peux pas regardera regarder toutes après. les unités de temps et tout, mais on va la regarder ensemble tout à Ok. l'heure, sans On problème. regardera tout à l'heure. Voilà, on va Et finir puis une avec remarque la théorie. supplémentaire. Pardon, Voilà, excuse-moi, si je vous en t'ai coupé, avez tu d'autres disais. d'ailleurs, comme ça, si vous avez cru ou vous voyez d'autres situations de figures de retournement que je vous présente ici, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, on ira le voir ensemble Voilà. tout de suite après. Parfait. Bah, n'hésitez pas si vous avez des figures que vous voulez vérifier, voir si elles sont effectivement bien existantes. On regardera ensemble avec Cédric. Alors, une autre remarque qui n'est pas vraiment une question. On nous disait, il faut ajouter que l'unité de temps est déterminante dans la pertinence de la configuration. Effectivement, si on identifie sur une figure, admettons une figure, j'imagine sur un graphique annuel, alors qu'en fait on fait de l'intraday, ça va pas avoir tellement d'intérêt Non, dans non, son trading, complètement. quoi. Oui. Il faut rester sur l'unité de temps sur laquelle vous l'avez trouvé. Ah, parfait.
Eh bien, écoute, impeccable. Je te propose qu'on avance à la prochaine figure Ouais. et puis je te referai des Alors, questions après parce qu'on en a d'autres. je vais passer peut-être un peu plus rapidement. Les biseaux, descendant, ascendant. Donc là, qu'est-ce qu'un biseau? Ce sont deux lignes qui relient sommet et creux qui sont convergentes. Vous voyez là. Donc, le biseau de retournement haussier est descendant et le biseau de retournement baissier est ascendant. Donc, le biseau, il est dans le sens de la tendance qui prévalait avant. Et la sortie se fait lorsque la ligne, l'oblique, est cassée. Donc, si on prend le biseau descendant, qui est un retournement, un signal de retournement haussier, le déclenchement se fait lorsque les cours passent au-dessus de la ligne de l'oblique supérieure. Attention, par rapport aux deux figures précédentes, l'objectif ne se calcule pas avec un report de la hauteur du biseau, il se calcule sur le départ de la figure. Vous voyez là que c'est lorsqu'on a commencé à trouver le premier sommet, en tout cas à dessiner le biseau, ça va donner l'objectif. Hein. C'est pas la hauteur de la figure dans ce cas-là. Voilà. Parfait. Ce sont aussi deux figures qui sont assez fiables. Hein, vous voyez les 92% et 82%. C'est pas toujours simple à trouver non plus. Il faut pas croire que dans la réalité, vous allez trouver exactement des figures comme ça. Peut-être que la plus simple à déterminer, c'est le double top et le double sommet. Les autres sont un peu plus difficiles. Impec. On passe à la suivante, du coup, pour après aller sur les graphiques. Allez, on a bientôt fini de toute façon. Vous Hop. avez le sommet arrondi, je ne vous ai pas mis le creux arrondi, mais c'est la même chose. Alors là, pourquoi je vais passer vite là-dessus, parce que c'est quand même assez, alors là, pour le coup, plus compliqué à déterminer. Vous voyez les deux dessins, mais vous voyez que même sur cet exemple, en fait, vous en avez presque deux sommets arrondis. Hein. Donc, vous avez une ligne de cou là qui est cassée. Bon, je passe vite, c'est assez rare de trouver et puis de trouver des figures de ce type-là parce qu'elles sont se construisent rarement de cette façon-là. Voilà. Il y a souvent plusieurs. Alors là, il y a beaucoup de ce que j'appelle du bruit. C'est ce que la personne tout à l'heure disait qu'il y avait plusieurs vagues sur la tête. Alors là, souvent, il y a plusieurs vagues et c'est un petit peu compliqué de les trouver et elles ne sont pas aussi fiables que les autres. Voilà. Et donc, le creux arrondi, c'est l'inverse. Je ne vous l'ai pas mis, mais c'est exactement l'inverse. C'est la même configuration, quoi, mais Ouais. dans l'autre Ouais, sens. mais on ne va pas s'attarder beaucoup sur cette configuration. Je vous en montrerai peut-être une, mais vous verrez que ce n'est pas facile à trouver, qu'elles ne sont pas souvent très fiables. Voilà. Mais ça fait partie dans la théorie. Je vous l'ai mis parce que dans la théorie, c'est une des figures de retournement, quand même. Donc sommet ou creux arrondi. Parfait. Donc c'est pareil là sur les actions, vous avez le volume qui joue en compte. Et puis ensuite, alors voilà. Et ensuite, je vous ai mis donc vous avez une augmentation des volumes lorsque la cassure se fait par rapport à la figure, à l'évolution des cours pendant la figure. Et ensuite le dernier, donc le diamant. Alors là, le diamant, hein, là pour le coup, c'est la suivante. Si tu peux, Maëva. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis diamant haussier ou diamant baissier. Donc vous, alors ça c'est très rare. Hein. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'y attarder non plus. Ce n'est pas les principales. Vous voyez la configuration qui déjà en théorie sur le dessin est déjà complexe. Hein. Donc vous avez une augmentation des vagues au départ dans les deux cas de la figure, puis ça se rapetisse ici. Et ensuite, vous avez une sortie des courants. Voilà. Mais c'est rarement aussi propre que ça. Parfait. Eh bien, écoute, impeccable. Alors, du coup, est-ce que tu veux que je te passe. C'était, attends, je vérifie, mais c'était la dernière, hein, celle-ci, me semble. Normalement, c'était la dernière. Hop, on va vérifier. Oui, voilà. Oui, Ah, bah non, oui, par bah, quand contre, même, ça, très c'est bien. important.
Je réinsiste, ce que je disais au départ, la tendance est toujours valable tant qu'elle n'est pas invalidée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la ligne de coup n'est pas cassée, la figure n'est pas valable, aussi parfaite soit-elle, aussi parfaite soit-elle. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, mais ne cherchez pas la figure parfaite, vous l'aurez peut-être, hein, mais c'est quand même alors là très très rare. Et ne jamais anticiper lorsque vous faites du trading, il faut toujours attendre la rupture de la ligne de coup ou le franchissement pour la valider. Voilà. Donc effectivement, on peut passer maintenant aux exemples pratiques. Parfait. Eh bien, écoute, je te laisse la main et puis comme ça, on va aller sur Pro Real Time. On a déjà deux demandes. On a une demande sur le Dow Jones et une demande sur le Nasdaq Eh bien, pour c'est très bien. l'identification des figures. Je te donnerai le Alors, détail. je vais Alors, j'en juste. profite hein, pendant que Cédric paramètre. Si vous avez identifié des figures sur indices, forex, matières premières, que vous voulez vérifier que cette figure, justement, vous l'avez identifiée correctement, n'hésitez pas à nous envoyer les références, hein, vous voyez l'unité de temps et puis le sous-jacent qui est concerné. Et puis comme ça, on regarde ensemble avec Cédric. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, là on voit bien en plein écran AUD/USD. Ben, parfait. Donc, alors là, c'est pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est en direct. C'est en direct live, c'est aujourd'hui. Donc, c'est en quotidien. On est sur je vais l'agrandir. On est sur un horizon de temps quotidien sur l'OSI, c'est-à-dire le dollar australien contre le dollar américain. Est-ce que c'est une tête-épaule? Alors, pourquoi ça serait une tête-épaule? Vous avez une première épaule ici. Vous auriez, pardon, la tête ici. Et la seconde épaule ici, avec une ligne de coup qui a été cassée hier. Ensuite, trouvez l'objectif, je vous rappelle, vous prenez la hauteur de la tête jusqu'à la ligne de coup. La ligne, je reviens un tout petit peu en arrière, la ligne de coup est ascendante. Je vous ai dit que quand une ligne de coup était un petit peu penchée, il faut qu'elle soit dans le sens de la tendance. Donc la tendance est bien haussière. Donc il s'agit bien d'une figure de retournement. Et vous avez une ligne de coup ascendante. Pour trouver l'objectif final, vous dupliquez et on va la mettre juste à côté et vous avez l'objectif final qui donne donc ici 0,7228. Ici vous avez une petite figure, c'est la bougie du jour, hein, d'hésitation. Donc la figure n'est pas invalidée, on n'est pas revenu au-dessus de la ligne de coup, donc pour l'instant elle est toujours valable. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que l'épaule gauche, ici, elle est quand même beaucoup, beaucoup plus large que l'épaule droite. Et normalement, vous devez quand même avoir une certaine symétrie, mais on pourrait la retenir comme une figure en tête-épaule parce qu'elle est quand même, en termes de hauteur de la tête par rapport aux deux épaules, elle est quand même pas loin de. Je vais pas dire la perfection, mais pas loin de la théorie quand même. Donc, si vous considérez que c'est une figure en tête-épaule, ce qui tient la route, pour moi tient la route, il ne faut pas que les cours reviennent au-dessus de l'oblique ici. C'est-à-dire que vous reliez la tête avec la seconde épaule, cela vous donne une oblique baissière. Et même si on revient au-dessus maintenant de cette ligne de coup, ça serait un premier signal quand même que ça commence à être un peu bancal. Mais tant qu'on n'est pas franchi cette oblique baissière, l'objectif reste valable. C'est ce que nous dit la théorie, hein. Moi, je vous dis exactement ce que nous dit la théorie et on le met en pratique ici. Donc voilà. Une tête-épaule qui peut s'avérer tout à fait valide.
Alors, est-ce qu'il y a des Parfait. questions? Alors justement, non, il n'y a pas de questions, Non? mais alors D'accord. pour voir justement celles qui ont été mentionnées tout à l'heure, On va donc les voir. Ouais. voilà, alors on nous dit en 15 minutes sur le Dow Jones. Ah, alors attends, si, il y a une question qui vient Oui, parce d'apparaître que sur le graphique m'étonnait normalement. parce qu'elle porte à discussion quand même, comme je l'ai dit, Ouais, hein, cette justement, ça figure. a mis du Ouais. temps à arriver, mais ça y est, on Oui, l'a. oui, oui. Normalement, votre objectif devait être réduit de 30%. Comment? Modélisation. Pardon? Normalement, votre objectif devrait être réduit de 30% modélisation. J'ai que cette remarque-là. Ah non, Monsieur, l'objectif sur la. j'ai fait la remarque si vous voulez bien la préciser, parce que Oui, non, c'est. l'objectif de la tête-épaule, c'est la hauteur de la tête sur la ligne de cou, hein, qui est reportée. L'objectif final, hein, je parle bien de objectif final. C'est normalement, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Là, ça me va complètement. En plus, cet objectif, c'est pour ça qu'elle est intéressante quand même, cette figure. C'est que si vous prenez l'objectif qui se trouve à 0,72, 28, vous voyez quand même que ça correspond à une droite de polarité antérieure, ici, quasiment, à quelques tics près. Hein, ça a été une résistance, ce niveau, à un moment donné, et ça a été un support ici. Donc pour moi, l'objectif là, pour le coup, il est tout à fait valable. Maintenant, il y a aussi un premier objectif qui est souvent calculé avec la tête-épaule, c'est en prenant la hauteur de la deuxième épaule et de la reporter ici. Donc en fait, on pourrait très bien avoir un schéma comme celui-là, une baisse sur le premier objectif, une remontée. Okay. En plus, vous voyez, cet objectif, en plus, il correspond à la moyenne mobile à 200 jours. Donc, ce qui est fantastique dans cet exemple, c'est que les deux objectifs correspondent à des signaux d'analyse technique qui sont très suivis. Donc, on pourrait très bien avoir ici une première descente sur le premier objectif, un pullback sur l'oblique baissière, et ensuite venir à l'objectif final. On pourrait très bien avoir ce schéma-là, en théorie. Voilà. En tout cas, Alors, il y avait c'est. une question justement par rapport à ça. Est-ce qu'on peut voir en plus les volumes à la cassure? Alors, non, parce que là, on est sur des devises. Et sur les devises, on ne les a pas. Sur le Forex, on n'a pas Ah de oui. volume. Bon, malheureusement. Bon, les Ok, eh volumes, ben impeccable. vous ne pouvez les avoir que sur les actions, les volumes. Parfait. Eh ben écoute, on va passer dans ces cas-là au Dow Jones. Dow Jones en 15 minutes. Un participant a identifié un double sommet. Alors, le seul truc, c'est que on risque d'être embêté sur. Parce que moi, j'ai le CFD. Et le monsieur a peut-être l'indice. Alors, ici, peut-être. Ouais, ici, ouais. Alors, ici, hop, effectivement. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. En principe, la théorie dirait que les deux sommets doivent être exactement au même prix. C'est pas le cas là. Mais on pourrait le considérer effectivement, parce qu'on n'est pas loin quand même, comme un double sommet avec une ligne de cou ici et l'objectif. On va prendre la deuxième. C'est la deuxième qu'il faut prendre. Excusez-moi. Est-ce qu'il a été atteint? On doit pas être très loin quand même. Hop, je pense pas qu'on l'ait atteint. On n'était pas très loin. On n'est pas très loin. Alors dans ce cas-là, je vais vous dire, effectivement, l'analyse pour moi est tout à fait recevable, hein, du monsieur ou de madame, je ne sais plus ce que tu m'as dit, Maëva. C'était ouais, c'était un participant Excusez-moi. double sommet en 15 minutes. Voilà. Donc la personne qui a identifié le sommet était tout à fait recevable. Là il est là par contre il est invalidé maintenant, hein, parce qu'on est revenu au-dessus de la ligne de cou. Mais par contre
si vous étiez en position, si vous avez joué cette cassure en 15 minutes, hein, donc 15 minutes, hein, c'est très réactif, hein, ça va très vite. Donc, vous aviez une moyenne mobile à 200 périodes, là, qui est un indicateur tout à fait important. Et donc, vous voyez que lorsque c'est pas allé plus bas et que ça rebondit, il fallait sortir. Enfin, c'était en moyenne de sortir et de ne pas attendre l'objectif théorique. Voilà. C'est pareil. Après, en pratique, il faut quand même adapter un petit peu. Si vous êtes à trois points, trois tics de la devise, de l'objectif, vous pouvez sortir. Hein, si vous voyez que ça a du mal à y aller, hein, n'attendez pas. Hein, c'est pas parce que la théorie dit que ça va y aller que c'est le cas. Mais oui. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un double sommet, tout à fait valable. On est bien au sommet d'une tendance haussière. Bon, eh ben bravo. Bravo pour cette identification de tendance. Alors, le principe de base, le deuxième sommet doit être inférieur au premier, est gage d'une meilleure efficacité. Donc ça, c'est une remarque que nous fait un participant. Pour lui, si le deuxième sommet est inférieur au premier, pour lui, c'est plus efficace, quoi. Et c'est vrai que Oui, là, on le voit alors, d'ailleurs, hein, le deuxième sommet est un petit peu plus bas, il est un tout légèrement, petit hein, peu mais plus par rapport bas. à la mèche. Oui, alors, effectivement, mais c'est pas la théorie, mais oui. Alors, attendez, je voulais justement vous montrer, à partir de ça, j'avais repéré un double top qui va aller très bien dans ce que vient de dire la personne. Il faut juste que je me souvienne. C'était sur le CAC. Non, c'était en. Pardon. Excusez-moi, mais voilà, ici, non, il n'y avait pas de. Mais ici, vous aviez un double, par exemple. Là, on est sur le CAC 40. Voilà. C'était l'année dernière, hein. Et donc, vous aviez un double top parfait ici. Donc, vous voyez, des fois, on trouve cette perfection. Ici, vous aviez donc un premier sommet, un deuxième sommet, même trois, hein, mais vous voyez, enfin, et même, c'est pas encore parfait, 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 puisqu'il y a un petit peu une vague un petit peu ici, mais quand même. Et donc ensuite, vous voyez que, alors là, pour le coup, l'objectif a été largement atteint et dépassé. Et si vous le déplacez, vous aviez l'objectif ici qui correspondait, comme par hasard aussi, vous voyez, à un creux. Et donc, vous aviez une double validation de l'objectif. Et là, bon, pour le coup, ça s'est très bien passé. Voilà. Parfait. Alors, on avait une remarque cette fois-ci sur le Nasdaq. Le Nasdaq en daily entre les 18 janvier et le 11 mars. Donc, a priori, il y aurait une création d'épaule tête-épaule. Alors, vous me dites, pardon, alors, Donc, le c'est épaule 18, tu m'as dit tête-épaule. 18 janvier. Voilà. Di ouais, Donc, voilà. Entre le ici, 18 janvier et le 11 mars, tu vois. la tête ici, je suppose. Et alors, pour moi, là, par contre, je ne suis pas tellement d'accord, parce que la troisième épaule, alors, la ligne de coup serait là, ici. La ligne de coup serait ici. Elle est un peu courte, la troisième. L'épaule de droite est un petit peu courte, pour le coup. Parce que là, vous voyez, elle a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 séances. Et là, 1, 2, 3, 4, on est quand même 5 séances. Donc, elle est un petit peu courte. Elle est un petit peu courte. Et puis, de toute façon, elle est plus valide, hein, puisque elle est plus valable de toute façon, même si vous la considérez comme une tête épaule, elle est plus valable parce que vous voyez que ici, hop, ça a été cassé. Hein, donc, c'est fini. Mais ce qui m'embête ici, là, elle est vraiment très très courte. Elle est vraiment très très courte. Il y aurait eu deux, trois bougies de plus, deux, trois chandeliers, deux, trois séances de plus. Là, je vous aurais dit oui. Ok. Mais là, Oui, pour le donc l'a coup, priori, non, quand même, là, elle est trop ouais, trop elle est imparfaite en trop. quelque sorte Voilà. pour être.
Je vais vous en montrer une. Et alors là, on va aller sur l'indice dollar. Voilà, qui était magnifique et qui est absolument pas valable. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention à bien suivre les règles. Ici, vous avez une magnifique tête-épaule. Vous avez une première épaule ici. Vous avez une tête ici. Vous avez une autre ici. En termes de taille, de temps, on est quasiment sur les mêmes longueurs de bougie, avec une cassure qui aurait été. Alors, attendez. Voilà, une cassure qui aurait pu être faite là. Mais, et c'est là où je dis attention à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, elle n'est pas valable pour deux raisons. Un, il n'y a pas eu de cassure sous la ligne de coup. Mais surtout, elle n'est absolument pas au sommet d'une tendance. Elle n'est pas au sommet d'une tendance haussière, cette configuration. Vous voyez bien que la tendance ici, elle est complètement baissière. Donc, c'est pas possible. Vous auriez eu la même chose avec des cours venant ici et une cassure. Alors là, oui. Là, vous auriez eu une magnifique tête-épaule. Mais, vous voyez, faites attention. Il faut toujours que ça soit au sommet ou au creux d'une tendance pour qu'elle soit valable. Et aussi belle soit-elle, faites attention à ce que vous lisez parce que celle-là, ce n'est pas, j'insiste, une figure en tête-épaule, malgré sa quasi-perfection. Parfait. Et alors, on me dit, et si on le voyait inversé juste avant, avec la tête vers le bas en janvier, est-ce que là, tu vois Alors, quelque oui, chose? alors là, oui, ça aurait été ça aurait été une figure de retournement à la hausse, oui, tout à fait, complètement. Là, oui, Mais ça d'accord, dans ce sens-là, oui. n'a pas été le cas. Ok, impeccable. Et alors, dernier exemple qu'on nous demande, c'est sur, enfin, ce n'est pas un exemple, c'est une identification à valider. FTSE 100 en une heure, un biseau descendant qui a été identifié. Le footy, hein, c'est ça. Hein, Ouais, FTSE 100, c'est ça. je sais plus le code sur. Est-ce que tu connais le code sur Pro Real Time par hasard? Non. Du footy, c'était UK? Non. Je sais pas comment, parce que je crois qu'il n'appelle pas. Ah si. Non, mais c'est FTSE. FTSE 100, voilà. Clac. Alors, en une heure, ça est l'horizon de temps. Ouais, c'était ça, une heure. En une heure, biseau descendant. Pardon. Alors, la ligne du haut, je suis d'accord ici. Mais la ligne du bas, pour moi, non. Pour moi, non, parce que vous avez ici ce plus bas qui vient tout fausser. Et donc là, vous êtes sur une configuration en triangle, à la rigueur. Le biseau, il aurait pas fallu qu'il y ait ce point bas ici. Et dans ce cas-là, il aurait été valable si on avait eu quelque chose comme ça. Vous voyez? On avait le biseau, il a vraiment. Les deux lignes sont dans la même direction. Elles sont convergentes, mais elles vont toutes les deux à la baisse. Si il y en a une qui va à la hausse, c'est un triangle. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la même chose. Le triangle n'est pas une figure de retournement forcément. Ça peut être une figure de continuation. Voilà. Et c'est normalement d'ailleurs, c'est une figure de continuation. Donc dans ce cas-là, non, à cause de ici, de ce point bas, mais c'est vrai qu'on s'en est fortement rapproché quand même. Ok, ouais. Bon, c'était pas loin, mais pas tout à fait ça. Le biseau, je crois que j'en avais un sur Est-ce les que tu... trois. Ah Oui. oui, parce que Alors, sinon, on nous attends. demandait justement un exemple d'une épaule tête-épaule qui a fonctionné, si tu avais pu en identifier une. Alors, non, j'ai cherché, mais je n'en ai pas vu dernièrement. Après, j'ai pas regardé, je n'ai pas remonté super loin.
puis je voulais vraiment partager avec vous sur l'Australie, parce qu'on est vraiment très très sur l'Aussie, parce qu'on est vraiment très proche d'unité d'épaule là, hein. Donc le pétrole, où est-ce que j'avais vu identifier qu'est-ce que j'ai dit? Biseau. Où est-ce que j'ai pu voir le biseau? Je ne me rappelle plus. Non, je n'en vois pas. Ah, ou sur le. Si, peut-être sur. Non, mais on est sur 1 heure, pardon, excusez-moi. Vite resté sur l'horizon de temps. Non, pardon, je sais plus où il me semblait avoir vu un, mais là je ne le vois pas ici non plus. Non, autant pour moi. Bon, c'était à Laos. Ah oui, voilà, c'était ici. Ici, vous aviez un biseau. Voilà. Clac. Et voilà, on n'a pas de clac. épaule, mais on a quand même un Non, exemple. même pas. Non, non, autant pour moi. Non, non, ça marche pas. Ça marche pas non plus. Voilà, donc le biseau, il faut vraiment qu'il y ait les deux. Ah non, oui, ici, voilà, ici, il y avait un biseau. Je savais bien que je n'avais vu. Voilà, ici, donc on est en août de l'année dernière. Hop, vous avez ici deux, hop, convergents haussiers. Je vais l'agrandir. Voilà, ici, l'année dernière, donc on était sur une tendance haussière, le biseau est bien ascendant, hein. Et vous avez une cassure de l'oblique du bas du biseau, dont l'objectif, je vous rappelle, là, n'est pas le report de la hauteur de la figure, mais le point de départ de la figure, donc ici. Et donc, une fois que ça a cassé, on est venu ici toucher l'objectif. Voilà. Alors, une fois que l'objectif est touché, la figure n'est plus valide, hein, n'est plus valable. Hein. C'est-à-dire qu'après, ce qui se passe après, c'est autre chose. Voilà. Donc là, vous aviez un biseau. J'ai vu aussi un double Et d'ailleurs, creux. il a super bien fonctionné, hein. Celui-là a parfaitement fonctionné, oui, tout à fait. Et là, sur le Bitcoin, il y avait un double creux en 1 heure. J'ai identifié en faisant. Alors voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Ici, vous voyez, vous avez un double creux ascendant en 1 heure. C'est ce que disait une personne tout à l'heure, que l'épaule droite, enfin pas l'épaule, mais la partie de droite est souvent supérieure, ou en tout cas dans le sens. Donc ici, vous avez une ligne de coup qui a été cassée ici. Voilà. Et donc, si vous reportez, alors là, le calcul est un petit peu différent, mais vous voyez, vous êtes un petit peu obligé d'adapter quand même, hein. Déplacer. Donc, vous auriez un objectif sur le Bitcoin, on verra, hein, à 58 710. Vous avez bien l'accélération lors de la cassure de la ligne de coup, puis le pullback, et hop, on repart à la hausse. Alors, est-ce que ça va continuer? On verra bien. Mais là, à la rigueur, on pourrait déterminer une ligne de creux, bien que le deuxième creux soit quand même bien supérieur par rapport au premier. Donc là aussi, ça porte à discussion quand même, mais malgré tout, on pourrait le considérer comme un double creux. Une fois, par contre, si on revient sous la bougie d'ici, c'est invalidé. 55 910, sous cette bougie qui correspond au pullback sur la ligne de coup, si on revient en dessous de cette bougie, ça serait invalidé. Eh bien, c'est impeccable, on n'a plus de questions. Donc voilà, on commente juste en disant que c'est un exemple, un excellent exemple, hein, que tu as montré. Voilà, merci pour cette présentation. Mais écoute, Cédric, si comme on n'a plus de questions, si tu as terminé, je te propose qu'on passe à la conclusion. Oui, très bien.
Je te laisse reprendre le la main Non, sur non, le sur l'écran. voilà. Donc, en conclusion, alors, simplicité, une fois que la figure est identifiée, parce que c'est vrai que la phase d'identification, c'est quand même pas la partie la plus simple, je dirais qu'en fait, il faut que l'œil s'habitue. C'est Oui, ça, surtout exactement. C'est dans le la traitement. simplicité, elle est sur le la simplicité, elle est sur le en fait sur la théorie en fait. Mais c'est justement quand c'est un petit peu ironique ce que j'ai mis. C'est simple quand vous le voyez en théorie, Voilà, en une fois que ça a pratique, été identifié, on il faut comprend bien l'adapter. quels sont les objectifs, quoi. Mais Voilà. encore Donc en faut-il bien l'identifier et je dirais jongler entre d'un côté le dessin de la figure parfaite et de l'autre les aléas qu'il peut y avoir, mais tout en validant quand même la construction de la figure. Exactement, tout à fait. Le plus, c'est que c'est valable sur toutes les unités de temps et tous les actifs. Donc ça, c'est l'avantage, hein. Bien sûr, attention, l'unité de temps que vous observez doit rester une unité de temps en rapport avec votre méthode et votre horizon d'investissement. C'est une question qu'on avait tout à l'heure, hein, je le rappelle. Si vous regardez le graphique annuel ou journalier alors que vous faites du scalping ou de l'intraday, ça va pas vous donner d'indication sur votre entrée en position à la journée. Donc ça, il faut bien faire attention. On regarde toujours les unités de temps qu'on observe habituellement. Simplement, cette fois-ci, on va aller chercher justement ces figures de retournement. Et bien sûr, bah, ça permet facilement, alors d'identifier les actifs en tendance, non, pas vraiment, mais en tout cas d'identifier facilement les retournements de tendance et puis surtout de pouvoir les quantifier. Oui, il manque un mot là. Les retournements de tendance, mais aussi les actifs en tendance, parce que si la ligne de coup n'est pas cassée et que ça repart dans le sens de la tendance, c'est que la tendance est d'autant plus forte, hein. Donc c'est la fin d'une consolidation. Voilà. Mais c'est un autre sujet. On va mettre en retournement de tendance, comme ça que ce soit clair pour tout le monde, Voilà, qu'il n'y ait pas oui. Il manquait un mot. d'erreur. Autant pour moi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vois qu'il y a plein de félicitations, hein, Cédric. Donc, merci encore. Plus Mais de merci à questions. Donc, vous je pense que et c'était merci à clair. vous Alors, d'avoir je vois que vous participé. avez énormément apprécié ces sessions. Donc, proposez-nous des thèmes pour la prochaine session. On va faire la prochaine session avec Cédric d'ici 3-4 semaines. Donc, allez-y, hein, que ce soit sur son Twitter ou sur mon email. Je vous rappelle maeva.chazal@ig.com. C'est tout simple. Vous m'envoyez vos idées de thèmes. S'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde, on est là justement pour aborder des problématiques qui vous plaisent et qui vous aident au quotidien dans votre trading. Donc, surtout, n'hésitez pas, eh bien, à nous proposer des thèmes. Parfait. Eh bien, écoute, merci encore, Cédric, et puis à bientôt pour la prochaine session. Ok, merci, bonne soirée à tous, à bientôt, bon trading.